Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. Today. Bon, je sais pas ce qu'il a mon ragdoll, mais il part un peu en. Il part un peu en freestyle là. Tiens, les corps ils font des sauts. Et les corps font des sauts complètement déments, je trouve. Non, on va juste faire un dernier check, je vais juste monter dans les étages. En fait, je prends juste les munitions parce que, mine de rien, vous voyez, même pour mes armes, il n'y a pas encore longtemps que le pistolet, j'avais plus de 900 cartouches en réserve, déjà j'en ai plus que 300. Ça se revend encore une fois. Ça se garde. Ça se garde pour équiper ma troupe. Nice, super. On sera pour plus tard, ça, je crois. Ça pèse rien. Parfait, ça c'est des. Ah, superbe! On va juste. Hop. À l'intérieur, tac, tac, ouais, si j'avais remonté, non, tac, tac, puis au bout du couloir, voilà. Ok, ça c'est bon, ah, il faut que je remonte là-haut maintenant. Ces émanations semblent bon, un peu de balade. De balade, non, patrouille. Vous voyez pas trop trop grand, ça se bien. Je défends le Constitution. Voilà. Rien à signaler. Cette zone pourrait supporter un gros assaut. C'est bon à savoir. Si les pilleurs des barbes continuent à semer le vent, ils vont récolter la tempête. Le capitaine. Mister Navigateur. Bienvenue à bord, soldat. Puce récupérée. Versement de la prime. Diagnostic. Une erreur détectée. Émetteur du radar de guidage non fonctionnel. Remplacement requis. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet émetteur? Diagnostic impossible. Aucun Mister ND disponible pour analyse détaillée. Mission. Obtenir l'émetteur radar Poséidon aux coordonnées géographiques spécifiées. Une prime supplémentaire sera versée après la réussite de la mission, madame. Ouais, non, je ne suis pas le réparateur exceptionnel dont ils ont besoin. Je sais pas combien il faut. Non, je pense qu'il doit falloir 10, sûrement 10 en intelligence pour faire ça. Parce que je n'ai pas. Alors. Un bâtiment là-bas. La Taffington. On va être Taffington, ce qui va permettre de revoir ma troupe, de faire un petit point. De faire un petit point dans mon avant-poste. Avant-poste tout simple. Hein. Honnêtement, j'avais regardé pour essayer de crafter des avant-postes avec vraiment un peu de prestige. Honnêtement, c'est quand même compliqué en termes de puissance requise. Vraiment, il faut que le jeu soit sur SSD, il faut de... Vraiment, il faut tout, quoi. Carte graphique, pros, SSD, de la DDR4. Enfin, je pense qu'il faut la totale si vous voulez pas que ça... Si vous voulez pas que ça parte en cahuète.
Donc nous on va aller. Alors ça, je crois que si je me souviens, c'est full super mutant. Alors, si on pouvait éviter, ce serait pas mal. T'es sérieux là? Eh, crève! C'est pas grave. Bon, je pensais pas qu'on aim était si mauvais, my bad. En tout cas, je suis content parce que là, j'ai pas mal. J'ai pas mal fait de montage ces temps-ci. Là, je suis en train de préparer une nouvelle série, un nouveau. Sur un nouveau jeu que je suis en train de faire. J'ai déjà une dizaine d'épisodes qui sont montés, donc ça, c'est plutôt chouette. Je prends un petit peu d'avance. C'est vrai que là, c'est un petit peu compliqué parce que vous savez qu'Arlequin. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en. Ah, j'ai dû m'arrêter là. On aura peut-être l'occasion d'en reparler quand je le reverrai, mais c'est vrai que là, par rapport à. Par rapport à son boulot, en fait, il est beaucoup en déplacement. Il est en déplacement par tranche de plusieurs mois, donc c'est très compliqué aujourd'hui pour nous de nous voir. On s'appelle tout le temps, mais de nous voir, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est encore plus compliqué pour lui de monter, en fait. Pour ça. Donc voilà, donc c'est compliqué aussi pour lui de monter ces temps-ci. Donc c'est vrai que là, puis tiens, ça fera du verre en plus. Si vous trouvez des pièces détachées, faites-le-moi savoir. Pas de cœur en particulier, non. Et donc voilà, pour lui c'est un peu compliqué de monter, ce qui fait qu'en fait depuis février. Au travail. Alors, on décroche. Votre destruction est imminente. Mon petit sabre. Avec mon petit sabre et mon perso qui est pas du tout buildé corps à corps, c'est compliqué. Et donc voilà, donc ouais, effectivement, depuis février, moi j'ai pas mal tenu la cadence. C'est vrai que quand tu pouvais pas sortir de vidéo, j'ai toujours réussi à tenir notre rythme de. Notre rythme de 3 vidéos semaine, hein, vous savez, le rythme qu'on s'était fixé au début, quand t'as vraiment voilà, commencé à taffer plus sur la chaîne, puis qu'on a. C'est un rythme qu'on a plutôt bien tenu ces derniers mois, mais. Nice, super. Tac. Oh. Ah ouais. Un crochet plus facile, ouais, c'est pas ça qui m'intéresse le plus là. Non, oui, je peux pas sortir directement, c'est ça. Ah si, je peux même tout l'intérieur du bâtiment, j'ai un doute. Ouais, donc moi j'ai pas mal tenu la cadence, mine de rien, ces derniers mois. Je sortais du Hard West tous les lundis, du Fallout 4 tous les jeudis, et puis du divers, enfin un samedi sur deux du Trine, l'autre samedi un peu de Survarium, un peu d'analyse. De temps en temps, on cale une petite solde Steam à l'occasion. Mais en fait, ça a surtout été rendu possible parce qu'en février, mars, avril, j'avais vraiment fait du montage comme un furieux. J'avais quasiment 45 épisodes d'avance que j'avais vraiment sorti upload sur plusieurs mois. Ce qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Non, on va pas faire ça comme ça parce que s'il y a un nouveau combat qui se passe, il se passera de nuit, je ne verrai rien. On va trouver une chaise quelque part. Et on essaiera de se poser. Non, c'est de l'autre côté, je l'aimerais. Et donc voilà, donc j'avais pas mal avancé. Le problème c'est que là, je vous l'ai dit plusieurs fois, je vous l'ai dit en vidéo, mais c'est vrai que j'ai changé d'entreprise, de métier, de ville. Donc là, il y a beaucoup de choses qui se sont. Beaucoup de choses qui se sont bousculées. Et entre mes propres déplacements, tout ce que j'ai à faire au niveau de l'appartement et autres, et c'est vrai que même pour moi, c'est devenu aussi beaucoup plus dur. Donc là, je pense que je vais finir Hard West et puis pendant peut-être un mois ou deux, on va repasser à seulement 2 vidéos semaine. Sûrement du. Sûrement du Fallout le jeudi, puis un spécial le samedi, et puis on reprendra le. Alors prendra le rythme de 3 vidéos, on va dire à terme. Je sais pas trop comment on va s'organiser. Là on est en train de voir avec Arlequin pour le restaffer d'un PC portable qui tient un peu la route, d'un Premiere Pro, d'un Photoshop, voilà, pour qu'on puisse taffer un peu ensemble, à distance.
Donc c'est vrai que ça pourrait être très très chouette. Parce que mine de rien, je fatigue un petit peu. Alors j'adore ça, vous le savez. En même temps, c'est pas avec le succès qu'on a sur la chaîne que... Parce qu'on reste une toute petite chaîne mineure, et puis surtout avec la démonisation de YouTube pour tous les petits, il y a encore moins de chance en fait d'être, je pense, d'être bien en avant par la plateforme. Je pense que c'est un méchant coup qui a été porté quand même. Si jamais le besoin s'en fait sentir, ces structures renforcées feront une excellente couverture. Si les pilleurs d'épaves continuent à semer le vent, ils vont récolter la tempête, foi de capitaine. Alerte, cycle de maintenance. Retard. Mais là, on est pas mal. Salut, Mister Navigateur. Bienvenue à bord, soldat. Système de guidage fonctionnel à 100%. Prime versée. Mission, engager une conversation avec le capitaine. Madame. Bon, bah, ça c'est quête validée. Capitaine. Vous avez fait des miracles au bénéfice de notre fier vaisseau. Malgré les provocations répétées des pilleurs d'épaves, j'espérais encore pouvoir récupérer la puce de guidage sans violence. Il fomente sans doute quelques basses vengeances alors qu'il est. Pourquoi veux-tu absolument épargner les pilleurs d'épaves? Je dois admettre qu'ils sont un véritable cancer. J'ai perdu nombre d'excellents marins aux mains de ces scélérats, et mon équipage s'en trouve cruellement diminué. Mais ils n'en sont pas moins des citoyens du Commonwealth. Ces mêmes citoyens que nous avons juré de protéger de toute incursion étrangère. C'est pour le moins ironique, j'en conviens. J'aimerais vous récompenser de vos efforts considérables en vous confiant une ultime tâche. Nous sommes sur le point d'embarquer pour notre voyage sacré. C'est toujours un plaisir de t'aider. Je n'en attendais pas moins de vous. Le navire a besoin des roulements de turbopompe qui se trouvent dans une usine relativement proche. Cette mission sera semée d'embûches, mais j'ai foi en vous et en vos capacités. Oh, elles sont ouf. Oh non, non, non. Voilà, Corvega, vous le savez, c'est marrant la première fois, mais la huitième, c'est un peu casse-burne. Pourquoi est-ce que cette zone-là devient vite agaçante pour tous les joueurs? Parce qu'en fait, c'est une zone qu'il faut refaire en boucle. C'est une zone qu'il faut refaire en boucle. À différents moments du jeu, soit dans des quêtes... Je pense que les cadavres là, c'est ceux de la dernière fois. Putain, pourvu que ce soit pas encore quoi, goût là. Y'a plus rien. Veux s'amuser avec moi, hein? Tu vas payer.
aucun signe. Ça va. J'ai peur que ce soit trop long. On peut requitter notre usine Corvega pour le USS Constitution. Voilà, hop. Ah, des ennemis à proximité. Bon, attendez, on va voir. Non, il n'y a pas une porte par là. Non, non, c'est dans mon imagination. Est-ce que là, je peux m'en aller? Là. Oui, mais je ne vois pas d'ennemis à proximité, cher ami. Il n'y en a pas sur mon radar. Et on va sortir par là. J'aime bien me faire cadarner le fion en sortant. On entend que ça tape pas loin quand même. Encore en danger? Oh putain. Allez, laisse-moi m'enfuir. Ah voilà, super, on va y arriver. Allez, on va y arriver. Merde, hein? C'est à moi, Minus. Qu'est-ce qu'il foutait là, ces deux connards? Alors, on va juste vérifier. Ah, c'est un sage pour mon passage. Bon, tu vois, j'en vois pas d'autres. Moi, je connais très par cœur celui-là. C'est un honneur de faire partie de l'équipage de ce vaisseau, Mister.
Là, on est pas mal. Je peux rien piquer. Est-ce qu'il y a un truc qui vaudrait quand même le coup de prendre le risque ou pas? Sur la proue tribord. Doucement mais sûrement, Mister Navigateur. Les vents sont cléments et le sang nous sourit. Nous levons l'ancre. Remercions notre héroïne du moment. Vous avez doublement mérité votre part, madame. Très bon travail. Lever l'ancre? Face à l'imminence de notre grand départ, le secret peut être enfin levé. Quand nos deux fusées NX-42 seront mises à feu, nous pourrons enfin larguer les amarres. Adieu, cale sèche. Adieu, immeuble de bureaux répugnant. Le Constitution sera propulsé dans les cieux avant de se poser délicatement dans l'océan salvateur qu'il n'aurait jamais dû quitter. L'Atlantique va bientôt retrouver son plus fidèle défenseur. Plutôt ambitieux comme plan. Comme disent les grands hommes, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mister Navigateur, lancez les machines. Il faut... Ces voyous sans foi ni loi. Préparez-vous à lancer une bordée. Capitaine. Loué soient les dieux du vent et des sept mers, l'assaut des pilleurs d'épaves a été repoussé. Aucun de ces flibustiers n'a posé un pied boule sur notre pont immaculé. À tout l'équipage, préparez-vous pour le lancement. Tu veux vraiment mettre ce plan à exécution? Il faut agir avant que les pilleurs d'épaves ne puissent se regrouper et lancer un nouvel assaut. C'est maintenant ou jamais. Pour entreprendre notre grand voyage, nous avons besoin de la puissance du générateur auxiliaire. J'ai peur de devoir faire appel à vous une fois de plus.
C'est comme si c'était fait. J'admire votre courage. Voici votre récompense. Vous l'avez amplement mérité. Que les vents vous soient favorables, madame. Ah oui, alors ça, c'est un canon portatif. C'est un canon portatif. Ah, alors, attends, je crois que c'est du bordel IRL. Je suis encore les équipes. Qu'est-ce que c'est qui est pompier, police là, cette fois-ci. Ah, j'ai encore la cavalerie aérienne qui est au-dessus de mon appartement, là. Non. Oh non! Ils ont tué un de mes fidèles guerriers. C'est... Attends, il est où le générateur? L'intérieur, c'est pas celui qu'il y a là-bas. Ouais, c'est... C'est le con, mais je me serais bien battu un peu dans les coursives, là, avec... Je me serais bien un peu battu dans les coursives avec les robots. Enfin, avec les robots contre les raiders. Là, j'aurais bien aimé vraiment avoir la possibilité de le faire. Alerte, fixe de maintenant, en retard. Faut que j'aille où, moi? D'accord, donc j'étais sur le toit du bateau. Avec la possibilité de descendre directement par la grue, mais il me demande quand même de faire l'objectif à travers le bateau et ses 50 tons de chargement. Ouf, putain, mon stock de munitions il a pris un coup par contre. Ça me plaît pas trop parce que les 5,56 c'est encore assez dur à avoir pour l'instant. En fait c'est même pas une question d'argent ou autre, c'est qu'il y a peu de marchands pour l'instant qui en proposent. C'est aussi bête que ça. Voilà, c'est ce que je dis, ça c'est juste pour la troupe. Et c'est vrai que j'ai gagné un niveau. Alors. Là, les récupérateurs, ils n'ont, ils étaient. Oh oui, d'accord. Ah oui. D'accord. Ils avaient sorti le matos des grands jours là. Ils avaient sorti le matos des grands jours. En tout cas, je vais peut-être jouer un peu avec ça. Parce que là au moins j'ai tout ce que je ramasse en cartouche. Je crois qu'il doit être chambré en 38 celui-là. Grenade, très bien. Nice. Je savais même pas qu'on avait cette option là qui existait. Ouais, super. Super. Attendez. Ouais. Alors, c'est du 45, mais j'ai 2000 cartouches. Donc bon. Ça va. Ça va. Rien de particulier ici. Ah, bizarre le système de soins, il y a toujours une petite foulée de trop. Non, rien de particulier. Okay. Ah, je crois que j'ai encore pris le bon. Il va falloir que je fasse du tri dans mes Mac 11, moi, dis donc. C'est celui-là qu'il faut que je prenne. Voilà. Je crois que c'est celui-là. Non, je vais lui mettre à Colim, ce sera plus simple, moi je le reconnaîtrai à chaque fois. Voilà, c'est là. Mister Navigateur, faites ronronner les moteurs. Car... Puissance nominale. Excellent. Début du compte à rebours final. 3. 2 1 Mister Navigateur, allumez les moteurs. Adieu, immeuble de bureau. Adieu, cale sèche Audi. La mer nous attend. Deux unités à tribord. Oui.
Nous avons enfin réussi. Victoire. La navigation indique que nous nous sommes rapprochés d'un quart de brasse de l'Atlantique. Si mes calculs sont exacts, nous pourrons prendre la mer dans à peine un siècle. Bon travail. Et voilà, bah écoutez, ce sera la fin de cette quête qui nous a pris, ouais, qui m'a pris une bonne heure, je pense, à peu près à faire. Mais qui est vraiment chouette, qui est, je pense que c'est de loin, je veux dire, de par son ambiance, voilà, ce côté de reprendre sur un bateau de la guerre d'indépendance pour recréer tout un truc. C'est de loin pour l'instant la mission que je préfère dans tout ce que j'ai vu dans Fallout 4. Vraiment, j'adore, elle fait beaucoup sourire, beaucoup de références historiques, enfin voilà, ça pour moi c'est vraiment des bonnes quêtes Fallout quoi. Mais écoutez, je vous propose d'arrêter là tranquillement. Moi je vais sauvegarder et puis je vais tout simplement commencer à monter vers une nouvelle quête à vous présenter. Merci d'avoir suivi cet épisode, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Why does the sun go on shining?